Le show Murray Head avec One Night in Bangkok, son célèbre tube, il enflamme le public de Padre Moy. Sur scène aussi, le londonien épate avec une énergie folle. Il joue, s'amuse avec le public. C'est ce qui fait sa force, son ADN. C'est une énergie partagée. Ça vient d'eux. Ils sont en masse. Ils mettent leurs meilleures pensées vers moi. Ils attendent que je ne leur déçois pas, d'abord. Et à partir du moment qu'il y a l'énergie qui vient vers moi, c'est notre boulot de repasser. Murray Head, c'est 50 ans de carrière, mais surtout un tube qu'on lui réclame. À 73 ans, il continue son bonhomme de chemin et ça plaît. Moi, de voir Murray Head en live là, comme ça, c'est exceptionnel. Je pense que tout le monde a été ravi de ce qu'on a vu et entendu ce soir. Une énergie folle, une aura énorme. Il a l'air vraiment super sympathique. Vraiment, il joue avec le public. Mais le premier à avoir ouvert cette 30e édition, c'est Gauvin Serre. Luca Lagavroche, lui, l'enfant de la Creuse, n'oublie pas ses origines. Des textes engagés qui font un carton, comme les oubliés. Un professeur qui m'a écrit pour me raconter sa lutte pour essayer de sauvegarder son école qui était menacée de fermeture, ça m'a beaucoup touché parce que voilà, moi aussi j'ai grandi dans ce genre d'école-là et j'avais envie de pointer du doigt cette injustice-là. Et c'est vrai que cette chanson, je ne pensais pas du tout qu'elle aurait cette résonance aujourd'hui. Coup d'envoi réussi donc pour ce 30e anniversaire. Ce soir, place aux fondamentaux avec une soirée placée sous le signe de la guitare. De prophètes, de pères, de saints. Aujourd'hui, Charlie fait le beau.